Salam alaikum les gens, j'espère que vous allez bien et que vous avez un peu la pêche parce que là ça devient de plus en plus dur à garder le moral, je ne vais pas vous mentir. Vous me demandez mon ressenti sur la situation actuelle, j'ai envie de dire, ratari non. Enfin bref, c'est pas vraiment sympathique comme période. Donc je commence toujours par ma crème de chez Lidl en 30. Je me la tartine sur la tranche. Donc là, je vais essayer de faire un tuto, suivre un tuto d'Ancoon, qui est très joli. Et j'espère que ce sera une réussite par rapport à hier. Je sais pas, hier j'avais envie de mettre du noir. J'étais en colère, j'avais envie de mettre du noir pour exprimer ma colère. Et ben j'ai massacré mon vide. Bref, allez, on est parti. Je vais vous montrer vite fait le tuto. Mon chéri, mes skinny balls. Il va se taper un film pendant une heure le temps que je filme. On applaudit la patience de mes chemiches. Donc ensuite, je vais essayer la crème tenseur jour de chez Sephora. Je sais pas, soit j'ai pas de nez, soit 92% d'origine naturelle. Appliquez le matin sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Oui, on n'oublie pas le cou, surtout quand t'es une vieille taupe comme moi. Je rigole quand je dis ça, faut pas le prendre au premier degré. Hein. Donc voilà, ceci est chose faite. Donc voilà, première utilisation, je la trouve agréable. L'odeur, je sais pas trop, mais elle est très agréable. Faites la paix. On fait la paix, ouais. Je peux me le voir, Mich. Si, il est mignon, mon amoureux. Et comme on est deux cons, tu vois, 2 plus 1 égale 2 cons ensemble. On est obligé de s'envoyer chier une fois dans la journée, tu vois. Finement. Après, je lui dis à Kawidalia, je me barre dehors avec Kata et je vais faire mon sport. Finement. Mais il est mignon, mon chéri, il est mignon. On fait de la paix. Bon, on a fait la paix en direct de Sahbiland. Vas-y, je fais la paix, Marlich. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour arranger ma chevetron à cette étape-là? J'ai mis le super stay parce que je vais rester super stay, tu vois ce que je veux dire. Ça sera en barre d'infos parce que je me fais chier à remplir la barre d'infos. Donc, s'il vous plaît, regardez-la. Au lieu de me dire je ne trouve pas le produit. Hein. Mais ce qui, dès qu'il met du son, je le regarde trop mal. Je te jure, vous savez pas, je vais me faire tâche avant la fin du confinement à cause de vous. Hein. À cause de faire des vidéos, mais ce qui me... Après, je suis vénère parce que je peux pas filmer, donc je suis vénère, je m'énerve toute seule, on dirait le guédin, mon frère. Mais je suis un peu plus. Donc, super style, on se... Voilà. On se trafique la chevetron, comme ça, Mich, il va me pécho tout à l'heure, il va plus m'aimer. Je serai encore plus fraîche, il va pas pouvoir résister, même si je suis conne, tu vois. On est conne, mais on est fraîche, c'est pas grand allège. Namour, tu veux des écouteurs? Bah parce que ça sert à rien de faire ça. C'est en fond. Bon bah si vous avez un fond de télé, je suis désolée, c'est... Ouais, il veut pas mettre d'écouteurs. Il n'y aura pas de fond, on entend. Bon. Bah si. Non, on, si, on entend. Voilà. Même moi, ça me perturbe. Donc ensuite, blush bronzer, Maybelline, Shein. Après, je vais mettre la poudre Yoa Cosmetics. Donc, j'ai mis la poudre. Je vais fondre les matières ensemble. Et ensuite, on passe aux yeux. Je vais mettre un peu de super stay sur la paupière, en guise de base à paupière. Et on est parti. J'ai vu un make-up qui me plaît. J'espère le réussir. Et ensuite, on va peut-être improviser une coiffure. Je verrai après. Donc en premier, elle met du blanc en haut là, donc je vais faire pareil. Ensuite, on va prendre un vert qui ressemble à son vert, un vert, espèce de vert pomme, ou je sais pas trop comment l'appeler, et on va le travailler en creux de paupière. Je vous mettrai son tuto en barre d'infos, parce que je suis les étapes. La dernière fois, il y a une sarbée qui m'a dit j'aime pas trop le blanc en premier, mais je fais comme elle en fait. Je vais prendre le Ecstasy de la palette Carnival Pro Palette, je la kiffe cette palette vraiment. Elle est incroyable. Donc je vais le travailler en coin. Comme elle là. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave. Donc je vais le travailler ici.
Les fards se travaillent trop bien dans cette palette, franchement, c'est de la bombe. Donc ensuite, j'ai pris le vert The Hype, celui-là, et elle en met ici le Romande. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. C'est pas des couleurs que je travaille d'habitude, hein, que je travaille genre je suis une make-up. J'adore ce mélange. J'aurais sans doute dû prendre un pinceau un peu plus précis, mais c'est pas grave. Donc on va la travailler ici. J'ai pris un plus petit pinceau, mais bon, ouais, c'est mieux ça. Prenez un pinceau boule un peu plus précis, genre. Ouais, il est grave mieux celui-là, parce que l'autre, il était trop gros. Franchement, là, je me concentre parce que le make-up d'hier, je sais pas, il y avait Chucky dans mon cerveau, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Et je vous déconseille totalement le fard noir en coin ici, là, c'est immonde de chez immonde. Je ne réitérerai pas l'expérience. Donc ensuite elle prend du noir, donc je vais prendre celui-là de la palette, toujours Carnival Pro Palette, et elle le remonte, mais je me rends compte que j'ai pas mis assez de vert en coin externe, mais c'est pas grave. Donc elle est là, hop, elle le remonte gentiment, doucement, parce que c'est très dangereux. Donc celui-là, on va reprendre le vert foncé pour estomper tout ce merdier. Donc on reprend le vert qui est mignon comme tout, le vert pomme là. J'en ai pas mis assez. Et on estompe ici. Et ici. Waouh, ça me passionne. C'est magnifique. Par contre, il faudra bien estomper ici. Tu prends trop la confiance, ma grande. Tac. Et quand on aura fini, je demanderai son avis à mon chéri. Mon chéri, quand je me maquille, il est mignon. Des fois, il me dit je préférais celui d'hier. Des fois, il me dit c'est joli. Souvent, c'est mignonnette. Waouh, putain, ça me passionne vraiment. Ce dégradé que je suis en train de créer sur ma putain de paupière, j'ai l'impression que c'est un tableau Léonard de Vinci, gars. Ça déchire de ouf. J'apprécie particulièrement ce moment. Réussite personnelle, artistique, tu vois ce que je veux dire. Bon, bueno, gracias, tant de lignes. Je vais continuer à estomper. Je reviens vous voir quand j'aurai terminé tout ça. Ah, j'adore. Par contre, j'espère remettre du jaune après, wesh. Ah non, c'était pas du jaune, c'était du vert. Vert pomme, si elle en remet pas, moi je vais remettre une touche. Parce que je suis pas montée assez haut, tu vois ce que je veux dire ou pas. Je trouve vraiment que je ne suis pas montée assez haut. Eh, franchement, l'estompe pas. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Donc, j'ai mis du blanc en haut, comme elle l'a fait. On va estomper après, hein, parce que je reste pas comme ça. Et on va tapoter un peu de noir ici. Ensuite, on va passer au concealer pour cutter notre paupière. Tac, tac, on tapote un peu, on remonte, on tapote un peu, on remonte. Tac, je vais en mettre un petit peu de l'autre côté, bien sûr. Donc, je cutte ma paupière comme elle. Tac. Fuck it, doctor. It's a pretty looking hallway. Even though everything is sideways. Everything is looking. Donc ensuite je reprends le blanc de la palette Riviera. Je vais le mettre là comme elle le fait. Donc ensuite elle prend un espèce de blanc avec des paillettes. Moi je vais prendre le Fair Play. C'est un illuminateur, un highlight de la palette Carnival. Je vais remettre comme elle ici. Et après, t'as intérêt à l'essuyer ici, parce qu'il y a plein de verre. Je vais en mettre là. Donc ensuite, elle prend un doré. Je vais essayer, vu que c'est l'occasion, de prendre les pigments de chez Primark. J'ai jamais essayé. On va voir ce que ça dit sur la paupière. J'avais swatché, ils étaient vachement pigmentés. On va voir ce que ça dit sur la paupière. Donc je mets un peu là-dedans. À mon avis, il aurait fallu humidifier un peu le pinceau, mais on va voir. On va voir parce qu'ils avaient l'air vachement pigmentés. Donc elle en met jusqu'à où? J'ai zoomé un peu que vous rendiez compte de la beauté du machin. Quoi. C'est un truc de malade. Magnifique de dingue. Donc ensuite elle va reprendre pas du noir mais du vert foncé.
profonde, tout ça. Ça va être une étape qui va être incroyable. Et non, mais ce pigment, je suis tombée amoureuse. C'est un truc de dingue. J'ai été un peu trop loin, mais maliche. Comme je vous dis, cette palette elle est incroyable et géniale. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc je vais prendre le vert foncé, celui-là. Là. My face kiss the carpet, world get darker, but this is pretty looking hallway. Je reprends un peu de vert, je remets un peu ici du vert clair là, parce que je trouve que il s'est un peu effacé. Ça fera plus de contraste, ça fera plus joli. Je vais reprendre une pointe de noir parce que à mon avis elle en a rajouté mais elle n'a pas montré l'étape. Donc voilà. Donc ensuite elle fait son liner. Je pense qu'elle fera le ras de cils après. Donc je vais faire pareil. Il fallait que je prenne celui qui est fini. Pourquoi tu ne les jettes pas, meuf? Even though everything is sideways. Everything is looking sideways. Donc ensuite elle prend un crayon noir, elle en met en haut et en bas. Donc je vais faire exactement pareil. Ça c'est celui de chez Too Faced, je sais plus, je l'avais eu, il me semble, avec une palette, ça fait très longtemps. En fait là, je peux pas trop le faire avec vous, mais en fait elle déborde un peu de son ras de cils, ça permet ensuite de mieux accrocher la couleur qu'on va mettre ensuite. T'as compris ou t'as pas compris? Je sais pas comment mieux t'expliquer mon travail, donc ouais, tu fais ça, tu soulignes ton ras de cils, je vais le faire hors caméra parce que je vais tout déglinguer. Mais en gros, faut descendre un petit peu plus bas que le ras de cils. Donc ensuite, elle prend un pinceau boule et elle vient mettre là. Il y a du noir, je suis con. Donc ensuite, elle fait pareil avec le vert pomme. Donc ensuite, j'ai pas compris son délire, elle a mis du marron, je vais pas en mettre. Je vais tout foirer sinon. Donc j'estompe. Et ensuite, elle met une pointe de blanc en coin interne. Je vais mettre ensuite mon mascara. Putain, c'est un vrai chantier. J'ai l'impression que ça va jamais finir à chaque fois que je regarde ça, putain. C'est un chantier de ouf. Donc on est... Une pointe de blanc. On a dit une pointe, pas 3 tonnes. Bon, je vais estomper après, c'est pas grave. Donc je mets les deux mascaras. D'abord le full size, après le 1 million et je reviens. Donc pour le rouge à lèvres, c'est pas sans doute celui qui fera mieux, mais... je vais mettre le Sephora le 13. Dans mon souvenir, il n'est pas très pigmenté. Ouais, ça va, ça passe. Et pour que ça passe encore mieux, je vais mettre un de chez Kiko, il me semble. Ouais, un peu plus clair au milieu pour... Ah non, il n'est pas plus clair, putain, quel débile. Bon, c'est pas grave, mais riche. Du coup, je reprends le Louis Alvarez, il est un peu plus clair. Et j'en mets une pointe ici. On va passer à la coiffure. Vous avez juste à regarder ce que je fais. Parce que là, mon chéri, il va remettre la télé. Il a une patience, mais il y a des limites. Donc, je vais faire une coiffure avec vous, mes amis. Je mettrai de la musique. Je vais improviser une petite coiffure. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça vous aura plu. Et que ce maquillage vous aura égayé votre journée comme elle m'a égayé la mienne. Non, franchement, j'ai assuré de ouf. Attends, je te montre. It's all tipsy turvy. Top of tyrants, they're placing new tornadoes. Spinning angels out their way. Spinning out their hollow halos. No more NATO, just the folly of a planet overseas. They're burning trees just to watch these sperm from marvels made of greed. I feel not. I just watch from the comfort of a screen. I see truth, hard thing, when lies is all they feed. And a feed for the folly, dark causes spend light for prophecies to the world all sideways and the carpet on my cheek. My face gets the carpet. World get darker. It's a pretty looking hallway. Even though everything is sideways. Everything is looking sideways. T'aimes bien, amour? En termes de... Viens voir plus près de mon stade. Je vois, viens. Non, faut que tu participes. Je vois, viens. Faut que tu participes. Ah, je vois, t'as, je suis à 4 mètres. Et tu... Est-ce que c'est bien fait? Oui, c'est bien. Ouais, ça va. Je t'ai pécho, c'est bon? Ah, ouais. My face kiss the carpet. World get darker. But this is a pretty looking hallway. Even though everything is sideways,
everything is looking sideways. Seesaw, teeter totter, one side always outweigh. These some dwellings that I got from my state regurgitate. All that I heard today, the news got me terrified. It's earthquake and the murder rates. I slither like serpentine, you ain't shooting my certainty. Tight turn, insecurities to something to worth for me. Raise a glass to your hoop dreams, pray to God to be working out. For that same glass, ain't calling for closer, the curtain close. I'm far from a perfect rose, my petals say love not. I fear forward progress, I just trouble in one spot. But this drink's so good, and this joint's so nice. I don't think I'm mine, that it takes in my whole life. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui mes sahbés, j'espère quand même que ça vous aura plu. La coiffure c'est pas la meilleure de ma carrière, mais je voulais en faire une quand même. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaira. J'ai nettoyé mes lunettes comme une brêle. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Je suis grave fière de ma paupière mobile, un truc de fou. J'espère que vous aimerez ce make-up. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Et bienvenue dans la TV du Tata à mes nouveaux sahbés. Boussardik, salam alaikum. J'aime trop. Bon mes sahbis, je suis désolée d'être aussi mongole. Putain, en plus mon chéri il me dit, ah ben j'avais vu que t'avais déjà fait du verre et il me dit rien. Merde. Mais je pense que je l'ai mieux fait cette fois-ci. Donc merli, je vais monter cette vidéo. Eh franchement, je regarde mon ancienne vidéo, je dis merde, rah, j'ai déjà fait ce make-up. Eh, je suis vénère, vas-y, je suis vénère. Bon, je vais monter la vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et déjà j'ai utilisé un... tu veux le faire ma voix off? De ma gueule parce que j'ai bégayé. Bref, j'ai pas utilisé le même produit ici, donc voilà quoi. Mais franchement, je suis vénère. Putain, merde.